Schnell, de Termti, une chatte géante. Oh, Schnell, vas-y, encore. La carie, elle va te carier toute ta vie. Mais c'est quoi, ça? Je plante mon stylo dans l'œil. Bande de pute. Oui. Bon, enlève la main de ton caleçon, Régis. J'adore. C'est la Marlikoum, les gens. Bassem Vénitieux, 69200. Et vivement le 27 juillet que cette terre, elle pète. Ah, oh, putain, attends. Soyez bienvenus à tous, à toutes. Vous êtes là, vous m'entendez bien? C'est bon? Bassem, tu peux m'appeler? Arrêtez de me casser la tête. Rahamboukoum. On vient de s'installer, j'ai même pas fini mon caf. Cassez-moi pas le cerveau. Non, mais faut pas pousser mes mains dans les orties. Hein? Voilà, allô? Salam alaikum les gens. Salam alaikum les gens. Ouais, je suis obligé de te dire alaikum, salam alaikum. Ok. C'est tout ce que tu voulais nous dire? Imite-moi un peu. Salam alaikum les gens. Ah, montre-moi comment tu me suces. Vas-y. Oh, Schnell, vas-y, encore. Vas-y, montre-nous comment tu sais le faire. Allez, vas-y. Pompe là, mon frère, lustre là. Ça l'enfoiré, hein. Allez, c'est le Marlikoum, Franjo. Oh, putain de merde. Moi, les géants, c'est comme ça. Les dinosaures, c'était les pitons. Voilà. T'imagines une beurette géante? Starfallah l'Azim. Une Kaina, elle arrive avec des claquettes en mousse géantes. Une chatte géante. Où tu la regardes, il y a une main qui sort, qui t'attrape par la gorge. Un rouge à lèvres géant, un legging géant, une Fiat 500 géant. Oh, imagine. Non, pas possible. Non, wallah. Bien sûr, je peux comprendre, je comprends tout à fait votre réaction. J'aimerais juste revenir sur les touristes algériens. Non, les frères algériens, ils sont à la maison, oui. Là-bas. Il faut rappeler que pendant notre crise à nous, j'en déduis que vous êtes Tounes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. On est d'Amamif, oui. De Hamemlin, ouais. J'ai bien senti le Tounsif et Beverly Hills. Alors, donc, ouais. Je... Ouais, bien sûr, ouais. Al-Qa'l-Qulou, N'Dakhlou Filhab, ça. Non. Les Tunisiennes des séries TV, ouais, moi je te plante, je te plante mon stylo dans l'œil. Je vous dis plus vous, je dis tu maintenant. Attention, parce ouais, que c'est moi, ça, de Dikep, ouais. Ouais. Je connais la famille Boulifa aussi. D'accord, ouais, très bien. Il faut pas dire de nom. Et Hassan, là-bas, on s'est mis à fumer un peu de bœuf. Et Oulala, l'Arabie m'a fait un truc de ouf. On a tapé notre soirée tranquillement. Oulala, ouais, t'es tellement tranquille que en direct tu remontes par nous, normal. Non, on a entendu le bruit à minimum. Non, mais pète. Vas-y, pète, qu'on en finisse. J'ai la gorge, j'allais encombrer, voilà. D'accord, vas-y, donc. T'es vraiment un taré. Allô? Allô, Bassem? Oulala, j'aime pas ta voix, frérot. Voilà, enlève la main de ton caleçon, Aïchik. Enlève la main de ton caleçon. Non. Toi, tu dois avoir les mains moites. Tu dois avoir l'entrecuisse qui sent le vinaigre, sale chien. Attends, non, oulala. Un verre de halib et une date. Voilà, maintenant, je peux comprendre ta réaction, hein. T'es plus tunisienne que moi. Moi, je m'en bats les couilles, hein, de pas rentrer. Je vais rentrer, bien sûr, parce qu'il faut, mais toutes les années... Voilà, alors, quelle attache tu as là-bas? Tu as une maison? Vous avez une maison? Vous avez ouais, des terrains? Ouais, avez... j'ai des terrains, j'ai ma maison. J'ai aussi une maison en construction actuellement. T'as fait le FCR? Hein, t'as fait le FCR? Ouais. Bien sûr, je vais la tuer sur la tête de ma grand-mère. Non, mais quel monde, je vous déteste. Tu sais, ça vient du cœur quand je te dis ça. Bah, tiens, vous êtes mes sœurs, mais je vous hais. On a fait le FCR. Ouais, comme tout le monde, ouais. Tu manges une glace, sale tahan. Bien sûr, frérot. Je mange une glace, comme ça, j'ai un peu de fraise ici. Et quand j'avale la chatata mavams comme une huître du 31 décembre, au moins elle aura un goût de fraise. Il faut toujours que tu entends ce bruit-là. Voilà, il faut aspirer le truc, quoi, tu vois. Il faut aspirer le petit truc, tu vois. Il faut l'aspirer, mais il faut que tu le mordis tout en bougeant la tête.
tu lui fais ça sur la tête de ma mère, elle va voir Mars de près, elle va donner les distances de Vénus, elle va visiter l'étoile, les frérots. Bien sûr, tu mordis. Tu mordis et tu bouges la tête. Mais attention, tu mords pas, hein. Tu mordis. Ouais. Ouais, bien sûr. Moi, je vous le dis, bon. Vous allez voir. Écoutez, tonton, je veux que votre bien, moi. Ouais, voilà. Alors, attends 30 secondes. Alors, est-ce que le frère, il nous a rejoint, là? Oui, frérot, je t'ai rejoint, là. C'est pas ce D'accord, tu m'as rejoint. Rejoins-moi pas trop vite, s'il te plaît. Alors, vas-y. Alors, donc, tu as une maison. Donc, aujourd'hui, tu as quel âge? Moi, j'ai 43 ans, bientôt. 43 ans. Alors, est-ce que vous êtes mariés? Oui, j'ai ma fille aussi, et mon mari aussi, les dames Amelie. Ton mari, tu parles de celui qui est en dessous de tes chaussures? Non, celui qui est actuellement en Italie, à Rome, il est bloqué. Ah, il est à Rome, miskin. Allez, j'ai fait. Ouais. J'adore. Putain, je ris jaune. Mais j'adore, là. Très bien. Et ils sont morts comment, tes parents, Rihamo? Ils sont morts d'une maladie cancer généralisé en même temps. C'était... En même temps. Ouais, en même temps. En même temps. Et je sais pas s'il y en a qui ont leurs parents qui ont un cancer ou quoi. S'ils savent qu'ils sont en phase terminale, imaginez-vous quelqu'un qui souffre pendant 4 ans. On a appris pendant ces 4 ans. Mais fermez-la, je rigole pas par rapport à ça. Je rigole quand elle m'a dit en même temps. Celui qui est en train de rigoler, ils sont morts. Il dit Nubi, maintenant il est fait de mien, la akhira. Ouh là là, tu fais peur, toi, la tête de les ma mère. Haters, moi, je les haters, là, qui sont en train d'ouvrir leur cul. Je vous dis, vous parlez de mes parents, je vous pardonnerai pas. Ni fait de mien, ni akhira. Tu viens de lancer un éclair, une moussiba el tahna, là. Bon, je te dis franchement... Ouais, c'est comme darsak. Ça veut dire la carie, elle va te carier toute ta vie. Voilà. Même quand t'auras plus de chico, t'auras toujours mal. Parce que c'est mes parents. Je deviens ouf quand on s'attaque à mes parents. C'était des gens bien bassins. Jean Desquared, t'es sérieux, là? Moi, je suis resté à l'ancienne, Pélo. Lévis. 5-0-1, je suis resté à l'ancienne, moi. Moi, je remonte pas mes chevilles, moi. Bande de fils de pute. Vous remontez vos chevilles, vous remettez des jeans slim. Inch'Allah, double fracture de la malléole. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous allez passer sur la balance, le fil va craquer, vous allez tomber. Ouais, voilà. Et surtout... La carie va vous carier toute votre vie. Alors celle-là, je vais t'en sortir une meilleure. Non. Voilà ce que je leur souhaite à ceux qui ont ouvert leur cul là. Voilà ce que je leur souhaite parce que c'est mes parents, c'est des innocents maintenant. Ils sont morts, c'est des innocents là, Hamoum. Le repenti, il existe. Mais votre repenti de l'islam skyroulette, nous, on le connaît. Hein. Votre repenti, là, du mois du ramadan, où vous durez que 15 jours. Au bout de la 15e, ça y est, vous sortez, vous dites, on connaît votre repenti, par mami. C'est comme dirait Witt. Hein. Racontez, là, on est très sérieux, frère. Oh là là, Adim. Ouais, bien sûr, je suis sérieux. Écoute, voilà. Je vais te raconter. L'île du Qadr, l'année dernière, je m'en rappelle comme si c'était hier, frérot. C'est la nuit du destin, pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, donc. Ouais, voilà, la nuit du destin. Et dans la nuit du destin, Zahman, nous, chez les musulmans, bah, y a les anges qui descendent. Et pendant le Fajr, après, c'est fini. Et après, ils remontent. T'as capté l'année en mode. T'as capté. On dirait des sahabs qui viennent à la chicha. Non, mais regardez l'état de notre communauté. Zama, Belhani, ils descendent. Belhani, ils rentrent. Hachem, frère, un minimum. Ah, tranquille, frérot. Ouais, non, tranquille, tu vois. Moi, je leur parle pas de BFM parce qu'ils sont petits, non. Comment leur apprendre la vraie vie? C'est qu'à 2 ans, tu leur dis le Père Noël, il n'existe pas. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de caï. Moi, je l'élève comme ça.
C'est comme ça la vraie vie. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'existe pas Noël. Ouais, mais papa, on m'a dit à l'école. Oui, mais à l'école, on te ment. Voilà, et il y a beaucoup de femmes. Et il y a beaucoup de femmes. Tu vois, les sœurs maghrébines qui mettent des photos quand elles mettent la table pendant le mois du Ramadan. Et le 25 décembre, elles te mettent un sapin, mais elles te disent c'est pour les enfants. Bande de pute. Voilà, tu sais, des petits trucs qu'on je prends. C'est comme ça. La vie humaine a toujours été sacrifiée depuis la nuit des temps. C'est comme ça. On a sacrifié pour des études biologiques. On a sacrifié pour des... On a sacrifié pour des sentiments amoureux. L'amour, la muraille de Chine qui a fait des millions de morts est partie d'une histoire amoureuse. C'est à cause d'une pute, c'est à cause d'une némette. Il y a les beurettes et il y a les némettes. C'est un némette. Il y a une némette à cause d'une némette. C'est à cause d'elle que tout est parti en couille depuis la nuit des temps. Le monument qui est visible depuis la stratosphère quand même... La muraille de Chine a été faite par deux mecs qui se tiraient la boule à cause d'une némette. Hein. Tu demanderais à combien tu chiffres bon, toi, au niveau de ta propre dot, me dis pas de l'or, à combien tu chiffres 2000. 2000 euros ? Ouais, 2000. C'est pas beaucoup pour une fille. T'as beaucoup de principes, un peu comme toi. 2000 euros, c'est une occasion. Hein. C'est une troisième main. Non, 2000 euros pour une fille de bonne famille, c'est une troisième main. C'est un mensonge. C'est une occasion. On t'a trouvé sur rotoscoot.de, toi. Attends, non. Parce que je viens de me marier il n'y a pas longtemps, depuis le 29 février 2020. Et ce qui se passe, c'est que je viens d'apprendre à connaître mon mari, parce que ça fait pas longtemps qu'on se connaît aussi. Ouais, donc. Et j'ai appris qu'il était fou amoureux de toi parce qu'il t'écoute tout le temps. Alors on a même plus le temps d'apprendre à se connaître parce que tu fais partie de sa vie intégrante et voilà quoi. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai à voir moi dedans ? T'as une influence sur mon mari. Mais quelle influence ? Alors, c'est important. J'ai quelle influence sur lui ? Positive, t'adores. Non, mais par rapport à toi ? J'ai pas trop de temps de passer du temps avec lui étant donné qu'il est tout le temps là à t'écouter. D'accord, ok. Tu peux nous passer ton mari s'il est là ? Oui, je t'ai passé. D'accord. Allô, Bassem ? Non, mais c'est une blague. Il existe vraiment le mari là en vrai là? Non, ça rien. Non, ça. Non, c'était non, mais y a pas de souci, t'inquiète pas. Non, mais pas que je m'inquiète pas. Si, je suis inquiet. Ta femme m'appelle. Mais non. Tu la laisses m'appeler déjà. Quel genre d'homme t'es? Déjà, ta femme elle m'appelle et en plus elle me dit, t'es amoureux. Bah vas-y frérot, tu sais quoi? Vous et vos couples de gays. Non, vas-y, c'est bon, allez, c'est bon. Oulala. Mais c'est la tombe de mon grand-père, j'ai cru que c'était une blague. Il y a vraiment un mari. Khalé Dayous, ya Latif. Lotof ya Rabbi. Comme disait ma mère, Bishnen de Pterti. Tu vois? Oh là là, oh mon dieu! Putain de merde! Oh, allô? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi? Allô? Allô? Nique sa mère! La vie de ma mère! Allez, c'est bon, allez! Ça veut dire la carie, elle va te carier toute ta vie. Voilà, même quand t'auras plus de chicot, t'auras toujours mal.